Cette salle des conférences devenue mythique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par le mandataire spécial, prof Serge Tshibangu, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la facilitation kényane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les cinq chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une reddition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Raia Mutomboki, Twiranero Makanika, Twiranero Android, Ngumino Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant que il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion, et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix, il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour prendre l'initiative depuis qu'il a arrivé au pouvoir. Il a fait son cheval de bataille qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Mai Mai qui occupent dans ce coin, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés cette vision du chef de l'État, surtout les programmes qu'il a mis en place du PDDRCS, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que les chefs de l'État prennent ses responsabilités comme il faut, parce que nous avons pris les armes pour protéger notre pays contre les agressions. Contre les agressions, parce qu'il y a tant d'agressions, il y a tant d'étrangers qui viennent dans notre pays agresser notre pays. Napenda kupana message kwa wakongomani wote kama tunapasha ikala pamoya juu ya kutafuta amani paske amani hatutaitafutiwa na wengine nchi isipokuwa wakati sisi peke tutasikia kama ni ya muhimu. Antuka epesi biso somo mingi ndenge tozo betama tozo bomama neti banyama en tout cas moto moko azokanisa kolobela biso eloko moko te milolo nyonso to beta na gouvernement eyano ezate eloko moko baza usalela biso te na mayetoi kokota na awa eza pamba te mpona makambo ya ba groupe armé mais esengeli ba congolais ba yeba ete na sud de Kivu. Problème est les groupes armés, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, Tobeti Mololo na tandi maboko liboso ya chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, asale la biso manso, ayanula biso, pote tozwa biso pe elikya, tozala nete bandeko mosusu bo ba Congolais, bo baza na sembo. Tumekuja kwa mkutano huyu, wametuitisha ili tuje hapa tutafute amani kwa nchi yetu, na sio ya mara kwanza. Hii mikutano tumeitembea mara nyingi huko kwetu Kongo, tukitafuta gisi amani ipatikane kwetu. Na tumeongea zaidi na government yetu ya Kongo, lakini hatukufikia kwa lengo la kupata amani hiyo. Na tumekuja huku Kenya, huenda tunaweza tukapata bahati ya kupata amani hiyo. Kitu ambacho tutalomba government yetu
tunasi government yetu itie nguvu tuangalie kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre du Nord Kivu et de l'Ituri attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe.